Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la suite de Hello! Et on s'était arrêté sur ce puzzle sonore. Ok, c'est pas mal ça. Je sais pas ce que je fais. Donc on a des puzzles un peu partout disséminés dans cette forêt qui ressemble plutôt à un parc à vrai dire, peut-être un jardin même. Oh! Bah non! Moi je veux aller là. Bah ça me propose plus la porte. Vas-y. Tu veux pas? Bon, très bien. Là c'est le plein soleil. Tu comprends? C'est pas possible. Là c'est l'éclipse. Ou la j'allais dire la pleine lune, pas du tout. Salut les mecs. Donc on est toujours au même stade qu'avant, c'est-à-dire je ne sais pas ce que je fais. Misère. Ça a l'air d'être le plateau central ici, t'as vu? Oh la vache, c'est plus les mêmes. Ou je rêve? Non, c'est bon, c'est les mêmes. T'imagines le mec qui devient. D'accord, celui-là on peut y accéder maintenant. Toi. Logique imparable. Oh non, me dis pas que c'est les puzzles comme ça. Pardon. Ah. Ouais, il y a une certaine logique en fait. Il faut suivre les rainures du bois. Ouais. Voilà. Superman. Je suis vraiment un bon analysateur de bois. Une deuxième. C'est magnifique. L'éclipse. J'imagine que tu veux pas qu'on te bidouille. Toi tu seras du coup en dernier, c'est ça? Mais alors celle de droite avec le son là, enfin les petits sons. Les petits sons. Je l'ai toujours pas compris. The. Mais j'imagine qu'on peut plus y accéder. Voilà, là on peut faire que ceux qui ont le. Oh oh! Mais pourquoi il y a l'image en haut et après il y a plus? On peut faire que les pleins soleil, on va dire. Les pleins phares, voilà. Et je suis où là? Bon, ils auraient pu faire un mode de déplacement un petit peu plus rapide. On est une personne âgée, je comprends bien, mais... quand même. On peut faire celui-ci. D'accord, donc en fait, chaque catégorie comporte... allez, deux puzzles, donc 2x4, ça fait moite. Ah, ceux-là, je les aime bien. Vu que c'est vraiment ben visuel pour le coup. C'est quoi? C'est de la soupe. To the breaker down. Ouais. Ah, c'est une plage. Avec un ciel. Oui, c'est ça. Là, c'est un battle. Celui-là, c'est fait. Celui-là, j'aime bien, vraiment. Il y en a qu'on peut pas faire ou j'ai pas trop pigé. À gauche, il y en avait 3. Non? Ah non. Ah oui, ok, on est là. Donc les 3, c'est ceux que je disais. Ah, mais ils sont liés et tout. Et en fait, c'est ceux-là. Donc là, on a fait les pleins soleil. On va aller réactiver la météo. Oh! Mais pourquoi là? Je comprends pas.
qu'est-ce qu'on peut se mettre? Le coucher de soleil peut-être? Ok. Oh, il fait pas beau là. Coucher de soleil. Ça, ça en est un. Mais il est sur le côté. Comment faire? Oh misère! Ça, c'est pour valider. C'est quand tu passes ton. Ta carte Navigo. Alors. Ok. Ah, c'est pour me dire. Genre, j'ai réussi. Deux trucs qui se lèvent. Deux pleins soleil. Un qui se lève. Et. Zéro clair de lune. Peut-être qu'on peut le faire maintenant, ce clair de lune. Peut-être que je suis un mytho. Lui, il va pas être bon. Vu que ça se lève, c'est pas un qui se couche. Ah! Oh! Mais pourquoi il... Pourquoi il me fait la feinte à chaque fois? Genre là, je suis là. C'est genre... Eh, je fais une feinte. Vas-y, va juste ici. Stop, stop. Oh, waouh. Mec, on fait pas trop. D'accord, en fait, c'est... Ouais, c'est vraiment ce déplacement plus rapide. Ils ont pensé peut-être à ce que j'ai dit. Donc vas-y, on se fait la nuit ou l'aile, elle se fait peur. On va aller faire, je crois qu'il y en a un, ouais, juste ici. Ça fait vraiment une autre ambiance. Hein. Franchement, je suis pas rassuré. Oh. J'ai rien compris. Il faut garder de la batterie, c'est ça? Ah, ok. Je sais pas s'il faut aller sur ces points là. Putain, j'ai aucun indice. On va aller voir l'autre côté, je crois qu'il y en a aussi un. Ou qui fait tout noir, non? J'ai rêvé. Bah non, c'est obligé qu'il y en a un autre. Vu qu'il y en avait deux sur le tableau général. Lui. Hop. Peut-être que celui-ci va pouvoir m'aider. Oh. L'abus, quoi. On a lui. Hein? Quoi? Attends. Donc là c'est pas possible puisqu'il y a un trait. Et là non plus. Mais pourquoi du coup il coupe le lien ici? D'accord. Ah mais ça nous fait pas perdre la partie. Là on est bon. Là on n'est pas bon. Ah,
Bah on a réussi parce que je suis super fort. Allez, le dernier qui sera donc soit un truc d'éclipse, soit un truc sonore. J'avoue que on va peut-être plus essayer le sonore parce que l'autre j'ai vraiment pas capté. Quoique, tu sais quoi? J'ai pas peur moi. Je vais faire le truc qui a l'air dur. Genre ça. Est-ce que du coup il fallait refaire le même dessin? Parce que je l'ai pas retenu. Excellent. Bon, je décide d'utiliser mon joker pour cet épisode là. J'ai dit que j'avais un joker par épisode, de toute façon c'est moi qui fais les règles. Niveau 3. Ah si, apparemment ce jeu est sur iOS et Android. Bah c'est super cool. Gameplay ending. Non. Moi je veux... Putain, je veux une pub surtout pour une compagnie de livraison. Et peut-être une deuxième pub pour une autre compagnie de livraison. Ah non, c'est un jeu gratuit. Mais je vais vous montrer parce que c'est top délire. On va aller faire celui du son. Le mur du son, c'est incroyable. Comment tu veux deviner ça? Heureusement que... Ah oui, putain, on n'est pas du bon côté. Il nous faut réactiver... Oh, j'étais pas loin, j'ai fait un move de débile. Vous pouvez me le dire en commentaire. Vous écrivez, tu as fait un move de débile à... à 14 minutes et quelques. Je comprendrai. Donc nous on veut... C'est le premier, c'est ça, c'est le truc qui se lève. Ça, du pied. Juste pour être sûr que ce qu'il fait, c'est pas de la merde. Donc de ce qu'il me dit le gars. Tu fais ça. Merde, bon bah c'est pas grave. Ici, faut maintenir. Ici. Ok, je sais plus. Et ici, faut tapoter. Et l'autre, j'ai oublié. Si, voilà. Il faut éloigner. À quel moment tu sais ça? Sincèrement. Je suis pas de mauvaise foi. Sur d'autres jeux, je peux l'être. Mais là... How did you know? On retourne au téléporteur pour prendre... C'est celui-là qu'il me faut faire. C'est celui-là. Donc on va à la nuit. Ah la nuit là. On va à l'épicerie. Non, on fait l'épicerie. Je sais plus comment ils disent les Québécois. Si on fait l'épicerie je crois. Genre c'est eux qui la fabriquent. Alors qu'on sait très bien que c'est les Portugais qui l'ont fabriqué. Oh ça va. Ici on a le même truc de batterie. Mais je pense pas pour... Ah mais j'avais pas vu ce point là. Ce qu'il nous faut faire c'est ça. Voilà. Non. Donc il faut faire ça. 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 Donc faut bien suivre les flèches. C'est... Quelque part j'avais trouvé la solution aussi. Mais alors là mon pote. Moi j'aime bien les jeux d'énigmes tu vois. Mais des fois je suis nul. Là ça s'est prouvé. Non, oh, allez, c'est pas grave, c'est un échec. Mais en partie, parce que je me disais bien qu'il fallait faire les trucs de flèche. Seulement.
Eh oui, on n'a pas le bon truc. Eh oui. Il faut que ça se couche, c'est ça, c'est un truc de zinzin. Donc nous sommes au crépuscule. Peut-être au crépuscule de notre vie. C'est poétique, c'est beau. Keep walking. Apparemment j'ai déjà fait 8 km. C'est un trophée que j'ai obtenu. La 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 la. Magnifique. Alors ça c'était super dur. Le développeur a pris de la drogue. Oh. I'm in here. La musique est belle. De toute façon, dès qu'il y a du piano ou du violon, moi je suis biaisé, je suis en mode oh. Alors, un morceau où il y a les deux, je suis Voilà. En tout cas, ça me fait plaisir de reprendre un petit let's play. C'est vrai que je galère à trouver un jeu qui m'intéresse. C'est super frustrant. La lutte. On avance à l'aveugle? Ah non, on est dans la cabane. Putain, imaginez être vieux et seul. Rien que ça, je trouve c'est... ça me déprime. Parce qu'encore là, des fois, je suis à gauche. Des fois, je suis seul, mais tu vois, vu que je suis jeune, je me dis, bon, je peux aller marcher, je peux aller sortir, faire du sport ou des trucs comme ça. Mais alors, quand je serai vieux, imaginons que j'ai une maladie en plus qui m'empêche de bouger. Alors là, mon pote. Donc ça fait gauche. Ok. Mais c'est pas un niveau ça, c'est... j'arrive pas à trouver les énigmes. Oh, est-ce qu'on peut genre désactiver ce bruit là? Ça doit être ça. C'est pas ça. Super. Mais ça c'est quoi? Ça doit être ça. Ça c'est les bruits de pas. Pourquoi je voudrais enlever les bruits de pas quand on a un personnage qui marche à l'écran? Ah. Oh. Donc ça fait gauche gauche. Trois fois gauche. C'est une énigme ça. Trois fois gauche. Moi je suis un vieux de l'ancienne. Je prends des notes sur un bout de papier. Ouais. Où il y a déjà écrit plein de trucs dessus, juste pour pas prendre une nouvelle feuille. Là, je sais pas où on va, mais on y va. Trois fois gauche. Alors si c'est une autre fois gauche, je comprends pas. Ou alors c'est qu'il faut vraiment aller vers la gauche. En tout cas, l'animation en 3 frames, c'est pas mal. Là, il me dit quoi? S'il me dit gauche, on est fou. On est fou, tu. Ah, mais peut-être que c'est vraiment genre maxi gauche. Je baisse dans mes oreilles, hein. Ça vous dérange pas? Ça vous dérange pas vu que ça n'influe pas votre volume. Waouh! Putain, c'était ça. Ah. Milieu, droite.
Ah, fuck a duck. Laissez les canards tranquilles. Oh oh. Oh putain, mon dieu. We are the champion. Il y en a un autre auquel je peux pas accéder là où je rêve. Lui donne le mouvement. Je suis bouillant. Bonjour. Ok. Ya, ya. La musique. On s'en éloigne. J'entends un bye-bye. Bon, c'est sûrement par la droite du coup. Oh yeah. Okay. Oh non. Est-ce que c'est... mec qui découvre que c'est un jeu d'horreur. Déjà c'est chaud le bruit qu'il fait quand il se retourne. Donc il y a 7 niveaux, là on est au 3ème. Non. C'était sûr en fait, c'est un jeu d'horreur. I got pranked. Pranked. Oh non, en fait c'est genre sa maman. Et il s'en rappelle. Avance-je dans le vide? Non. C'est super loin, quoi. C'est très poétique. C'est très fulgurant, les métabolismes qui s'enfouissent de... C'est le même... Non, c'est pour ça, normal. Putain, j'ai coupé la musique. Et j'ai un écran noir. Est-ce que ce serait ma PS4 qui fait encore des siennes? Non. DB. D. C. Jazz. A. C. Jazz. Ah, j'ai pas besoin de recopier, en fait c'est la suite du... Ça va faire le logo à la fin. Non. Il va y avoir juste écrit thank you for playing. Complete level 4. Oh putain, il reste plus que 3 niveaux. Non, 5. Quoi? Il reste plus que 2 niveaux. Ce qui reste. Je vous rappelle que ce jeu je l'ai payé 6€. C'est rien du tout, c'est... C'est pour le travail, à mon avis, qui a été fourni pour les énigmes et tout. Ah, bah il fait trop froid. Il va aller chauffer la pièce. Est-ce que ça symbolise son âme qui est froide, son cœur, peut-être, après une séparation? La défunte femme qu'il a eue lors de sa vie. Mais qui surinterprète. La 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 la. Je suis vraiment un génie incontesté. On peut pas le contester, tu vois. Il y en a, on peut le contester, on dit ouais, vite fait. Là, on peut pas. En fait. Ah. Et là, après, on pourra ouvrir le. Oh vache. Tu vois un truc, toi?
J'ai peur qu'il y a quelque chose qui me saute à la gueule si je me rapproche de l'écran. Lampadaire. Comptez les stalactites. Je suis pas rassuré. Ici, il y a un truc avec des bulles. Ça me rappelle, je sais pas si vous aviez ça quand vous étiez plus jeune. Ça imitait une console de jeu. Mais en fait, c'était de l'eau. Et ça faisait des petites bulles. Ça faisait des petites bulles. Presque. Ah, faut que ce soit frame perfect. Ok. Hein? Comment? Oh, dur. Oh, dur. Raté. Oh, c'est dur, c'est dur. Ok, et toi? Fuck yeah! Ouh, c'était vachement compliqué. Ok, bah ça me dit ça. Disons qu'on est quitte. La 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 la. Celui me dit il faut mettre les cercles. Aïe. Ah bah donc on a quelque chose ici. Non. Je peux pas accéder à cette planche, mes copains imaginaires. Là, on peut take a look. Mais en fait, quand on regarde, on peut pas interagir. Les livres, c'est fait. Y aurait-il d'autres énigmes à gauche? À gauche. Tu connais la gauche? Pardon. Comment? C'était pas ça le truc? Mais le point là, il était bien vers le bas, le point rouge. Enfin le point, le rectangle. Je suis débile. Oh, franchement je suis débile. Et en plus il doit sûrement y avoir un moyen de voyager rapidement. Mais franchement, qui fait ça sans utiliser... Je suis pas rassuré. Qui fait ça sans utiliser son téléphone, genre là? Oh putain, le vieux, tu te mets juste devant Pépé le pute, toi. Bon, c'est un peu hors cadre. Mais je prends une photo et ici. D'accord, en fait on s'est fait biazaï. Eh ben on y retourne. J'espère que vous avez du temps. Parce que moi, oui. Est-ce qu'on se fait les ficelles en premier? Parce que j'appelle les ficelles les points qu'on relie. Ou bien... Allez, on part pour les ficelles. Donc...
toi tu vas là. Ouais. Non, franchement, faut avoir une bonne mémoire. Et je pense que c'est le but du jeu. Mais il se trouve que je suis plus malin que ça. Et que j'utilise les photos. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu. J'aimerais bien aller take a look at the window. Juste au cas où qu'on se prenne un bon screamer. Et que le gars fasse vraiment sa crise cardiaque. Là, on est tranquille après. Damn, Daniel! Il y en a un qui est vers le haut. En fait, ils sont tous bons, non? Je sais pas. Je sais pas, gros. Dans le doute. Dans le doute, je prends photo. Je sais pas s'il y a vraiment un ordre. Et en plus, ça fait des belles photos. Ça fait un petit effet. Ici, on a vu. Donc, ce serait le deuxième. Ça... Ça nous a juste ouvert la petite lumière rouge. Ouvert la lumière, c'est malin. Et ça, au final, ça nous a mis la lumière. Ok. C'est pas bon, c'est rouge. Qu'est-ce que je comprends pas. Toi, donne-moi tes secrets. Tu ne veux pas. Oh, mais je savais pas qu'on pouvait regarder ce port. C'est vrai qu'il y a un trou dedans. Donc là, c'est... ok. C'est une fois sur le côté et deux fois tarticouille. Bon, peut-être que toi qui regardes, tu as sûrement déjà tout compris. Mais félicitations, trop génial. Alors, il faut une fois ça et deux fois ça. Hein? Non. Ça, il faut une fois ça Ok, my boy. Le deuxième. Est-ce que ça annule tout, toute la séquence? Non. Le troisième effet. J'ai oublié l'autre. Dis-moi que ça garde tout en mémoire. Bon, ça a l'air ok. Foirer l'énigme, c'est vraiment trop facile. Plutôt que le réussir. Alors, c'est ici. Ça, c'est un vers le bas. Ouais, non, en fait, je m'en souvenais. C'est un vers le bas, droite. Enfin, le carré rouge, le rectangle rouge en bas à droite. Donc, c'est ça. Et le dernier, c'est... ça. Bah, voilà. On est prêt à se prendre un screamer, maintenant. On va déverrouiller la porte et puis après, je pense que... Allez, je sais pas si on se garde le dernier niveau pour une prochaine vidéo. J'ai envie de la jouer comme ça parce que je suis déjà à 47 minutes de record.
Je pourrais faire du montage en soi, mais vu que c'est un jeu d'énigmes, tu vois. Le temps de recherche fait aussi partie du truc. Comment? C'est vachement dur, hein. Faut pas. Ah! Oh putain, merde. Ah oui, c'était quoi déjà l'énigme? C'était. Ah, mais je me rappelle plus. D'accord. Car je suis un pro du jeu vidéo. Je sais pas comment j'ai fait. Moi je me suis rappelé que dans la grotte il y avait des flèches dans un sens. Je sais pas si elle voulait dire juste aller vers la gauche pour faire le truc avec la poupée qui danse et après le berceau. Ou alors si c'était un indice pour ça, parce que sinon comment tu le sais, à part en tâtonnant. Je sais pas trop. Complete level 5. Ah mais c'est vrai qu'il y a... Ah non, qu'il reste bien deux niveaux. Donc on va se les garder pour l'épisode prochain. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. A très bientôt. Au revoir.